Nous interrompons nos programmes pour vous transmettre un flash spécial. Après 3 années de recherche sans succès, la police et l'armée ont décidé d'interrompre leurs recherches pour retrouver Duke Nukem. Nous vous rappelons que le célèbre héros avait disparu il y a 3 ans, le lendemain de sa victoire contre Mike Morphy, un dangereux mégalomane. La police vient officiellement de déclarer Duke Nukem totalement disparu. C'est toute une légende des États-Unis qui vient de disparaître, laissant le pays et le monde vulnérables en cas de menace paranormale. J'en peux plus. Continue sans moi. Hors de question. Allez, viens. Oh non, il arrive. Debout. Laisse-moi. Continue tout seul. Attends, laisse-moi. Va prévenir la police. Non, je peux pas t'abandonner. Attends. Bonjour inspecteur. Bonjour. Vous avez fait vite. Walter Robertson, scientifique, kidnappé il y a 2 ans. On n'a jamais pu le retrouver. Et là, le voilà qui réapparaît. Tué d'une balle dans la tête à bout portant. Et en quoi cela regarde la CIA? On a retrouvé ça dans sa poche. À qui lira ce message? Prévenir les autorités d'urgence, pays en danger. Menace imminente. Effectivement. Ça nous avance pas des masses. Pas sûr. Comment ça? Eh bien, il y a une autre paire d'empreintes de pas similaires aux siennes. Ce qui veut dire qu'il n'était pas tout seul. Et les traces continuent par là. Il a donc réussi à fuir. Le tueur est sûrement à ses trousses alors qu'il est. On va ratisser le secteur. Et on retrouvera cet homme. On pourra sûrement nous en dire plus. Il n'y a pas de temps à perdre. Merci pour...
pour tout. Je vous tiens au courant. D'après nos services de renseignement, Walter Robertson était un scientifique expert en mécanique et en mathématiques. C'est encore trop vague. On va continuer les recherches. Qu'est-ce que vous faites là, inspecteur ? J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Docteur Stryker, la vidéo que vous êtes en train de regarder est en ce moment même diffusée sur tous les systèmes de communication partout dans le monde. J'offre une récompense de 2 millions de dollars à qui me livrera Duke Nukem, mort ou vif. S'il ne me peut pas livrer dans 3 jours, je lancerai une attaque massive contre les États-Unis. S'il tente quoi que ce soit contre moi, j'attaquerai. Réfléchissez. Vous avez toutes les cartes en main. Comment êtes-vous rentré en possession de cette vidéo ? J'ai rencontré le scientifique. Il était mourant. Il a juste eu le temps de me donner le CD. Et vous avez rien dit d'autre ? Non. Il faut absolument retrouver Duke Nukem. C'est notre seule chance. Avec l'offre de Stryker, tout le monde va vouloir lui mettre la main dessus. Encore faut-il qu'il le trouve. Il a disparu depuis des années et on ne sait pas où il est. Trouvez Duke Nukem. Faut que j'aille appeler le président.